Mustapha reçoit un appel concernant un individu au comportement suspect au niveau des arrivées. Il se met en place pour l'intercepter. Ils l'ont trouvé bizarre au premier poste de contrôle. Ils suivent sa progression grâce aux caméras de surveillance. C'est son langage corporel qui leur a mis la puce à l'oreille. On l'attend, on verra bien. Je peux voir votre passeport ? C'est bon, vous l'avez intercepté ? Où avez-vous pris l'avion ? À Buenos Aires, en Argentine. Vous avez quelque chose à déclarer ? Non. Suivez-moi. Tenez-nous au courant. Alors, vous étiez à Buenos Aires ? Oui. Tout seul ? Oui. Vous êtes seul ? Oui, monsieur. Vous restez à Dubaï pour combien de temps ? Un mois. Vous venez d'où ? D'Australie. Quelle ville ? Brisbane. De Brisbane ? Oui. Vous permettez que j'ouvre votre sac ? Le sac contient de nombreux t-shirts blancs. Ce sont vos vêtements ? Non, on m'a donné le sac. D'accord. T'as trouvé quoi ? Ces t-shirts ont l'air particulièrement blancs et empesés. Vous n'avez rien de sec ? C'est du coton ? Vous ne savez pas ? Sur une simple intuition, Mustapha rappelle la brigade mobile. La voiture est en route. On va voir s'il y a des traces de drogue. Le débarquement des autres passagers s'est terminé sans problème. Il suffit de quelques secondes pour effectuer l'analyse. Jackpot ! C'est quoi ? De la cocaïne. De la cocaïne ? À 64%. Les vêtements sont imprégnés de cocaïne liquide. Monsieur, la machine indique que vous êtes en possession de cocaïne. Dans les Émirats arabes unis, la peine pour détention de drogue est très sévère. Comme vous transportez un produit illicite, on va devoir vous emmener dans notre bureau. Il est interdit d'en faire entrer dans notre pays, vous comprenez ? C'est très courant de trouver de la cocaïne dans des vêtements. Un peu plus tard, la police de Dubaï a révélé que les vêtements contenaient plus de 3 kilos de cocaïne. Le passeur a été acquitté, car il ignorait qu'il transportait de la drogue. Je suis content. Je l'ai empêché de faire entrer un produit nocif dans mon pays. Mon message aux trafiquants ? Ne jouez pas avec nous. On est très bien entraînés.